Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Voilà, je suis sûr que vous pouvez mieux voir maintenant. Ça fait longtemps que je n'ai pas allumé cette flamme. Il a obtenu une nouvelle structure, le feu.
Il va se passer quelque chose d'intéressant. On voit ce qui se passe en haut. La lumière est de retour. Oh. Elle semble plus proche. Je vais aller voir ça. Petite lumière, viens. S'il te plaît, je veux t'aider. Je suis sûr que tu es perdu. Personne d'autre ne s'est jamais autant approché de l'île. Petite lumière? Quelle lumière étrange. Non, je ferais bien d'aller me coucher.
On est avec Napo pour passer à la mission suivante. Qui n'a pas peau. T'es en haut de la montagne. Qui ça? On ne répond pas, c'est qui n'a pas pour.
Un popo. Oh, il est là, tabarnak. Bonjour, es-tu de petite lumière d'hier? Es-tu perdu? N'a pas pour... Peut-être que tu ne me comprends pas. Es-tu seul? As-tu faim? Mais oui, n'en fais pas, je vais t'apporter du jus délicieux. Je t'en prie, ne meurs pas de faim. Je reviens tout de suite. Et voilà, j'espère que ce n'est pas trop acide. Yaya rajoutait des morceaux de sucre dedans, mais j'en ai plus. Tu donnes d'autres choses? Est-ce que tu peux parler? Allez, essaie. Dis quoi? C'est mon nom. Peut-être que tu ne me comprends pas. Ah, si tu comprends, c'est bien. On doit trouver un moyen de communiquer. Je sais, tu pourrais dessiner. Est-ce que tu sais dessiner? Si oui, souris. Je suis sûr d'avoir des crayons de cire quelque part sur l'île. Ils sont peut-être dans le coffre de Yaya. Je sais que je ne devrais pas fouiller là-dedans, mais c'est un cas d'urgence. Truc. Il y a des notes de Yaya, une adresse et un nom inscrit. L'ami est fort. Oh, Alice, je ne sais pas. Et il y a d'autres noms, mais ils sont barrés. Mais peu importe. Voyons. Ah, voilà les crayons. Maintenant, je dois fabriquer un tableau sur lequel dessiner. Je pourrais utiliser une planche en bois. Un crayon, plus un crayon. Non, j'ai tout. Allez. Voilà, tout est prêt. Super. Voyons voir. J'ai tellement de questions à te poser. Je ne sais pas par où commencer. Bon, est-ce que tu aimes le chocolat? C'est bien. Es-tu perdu? Ah, c'est triste. Est-ce que tu sais comment rentrer chez toi? Ça veut dire que tu le sais, mais que tu ne le peux pas, c'est ça? Oh non, c'est terrible. Pourquoi ne peux-tu pas rentrer? Est-ce qu'on t'a fait du mal? Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Sinon, tu pourrais rester ici vivre avec moi. Je n'ai pas de chocolat. Mais j'ai autant de jus d'orange que tu veux. Oh, tu ne veux pas rester. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Un bateau? On ne peut pas prendre le bateau. Il est en panne.
Je ne peux pas quitter l'île. Même en réparant un bateau, il n'y a plus de carburant. La fontaine est à sec. Quoi? Je pourrais faire quelque chose pour la fontaine? Allons voir ça. Comment tu t'appelles? Évidemment, je t'appelle Napopo. Bon, va à la fontaine, je vais te chercher le réservoir. Il devrait être sur le bateau. Ouais, c'était joli. La peau, qui es-tu? Ah, c'est terrible, ça veut dire que des gens ont fait du mal à ta famille. On les retrouvera et on leur fera regretter. Je vais réparer le bateau et on les retrouvera. On va commencer par faire de nouvelles rames. Puis on va reboucher les trous et enfin on va décorer le pont. Il n'a pas poudre en fait. On pense quoi? Allons chercher du bois. Bam. Et remplis le réservoir. On voit ce qu'on peut construire. Bon. C'est pas couché. Je pensais que c'est couché, mais c'est pas couché. Tu reviens juste à la maison.
T'es prêt pour larguer les amarrages? La poteau, es-tu prêt? Avant, je vais aller vérifier si j'ai bien arrosé tous les champs. Je vais aussi ramasser des coquillages sur la plage ouest. Je crois que je pourrais aussi planter de nouveaux arbres. Je ne suis pas certain que Nio et Nao aient assez de nourriture. Et je dois vérifier si chaque mois est installé conformément dans l'homme. Et s'il ne va pas, est-ce qu'il a besoin d'être entretenu? S'il m'arrivait quelque chose en partant, je ne sais pas, mon coucou. J'ai un peu peur. Je sais, je serai avec toi, mais connais-tu le lieu où nous allons? Wallis, je ne sais pas si... Je ne sais pas qui est cette Sammy, mais... C'est qu'il y a Yaya écrivait. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Je pense pas que Yaya Aku m'aurait laissé partir. D'accord, d'accord. Aide-moi, je suivrai les instructions. Et nous devons retourner sur mon île de temps en temps pour en prendre soin. Les coquillages. Planche. Thank you.
Allez. J'ai découvert un nouveau lieu à Marat. Le bobo, tu es très bon en sens d'orientation. Voici toujours mes guidées. C'est la mer. Bon, on pourrait interroger ces Yaya là-bas. De Yaya. Qu'est-ce que tu racontes, petit? Je m'appelle Noah et lui, c'est Caleb. On ne connaît pas de Yaya. Merci, vous êtes comme ma mamie. Ma mamie est une Quindo, mais ma mamie s'appelle Yaya Aku. Je ne connais pas de Quindo. Nous sommes des Quindo. Est-ce que je suis une Quindo? C'est une bonne question. Il y a quelques années, j'ai rencontré une adolescente comme toi. Elle était jeune et forte. Elle adorait nager. Elle avait traversé deux mers à la nage. C'était plus loin de la ceinture des tempêtes, évidemment là où la mer ne s'appelle plus Mara. Il s'avère que les deux mers étaient connectées par une grande barrière de corail. Selon la rumeur, des Quido calmars vivaient là-bas. Moitié Quido, moitié calmar. Ils n'ont pas de jambes, mais des tentacules. Es-tu perdu? Un peu. On est à Qualis, c'est ça? Je cherche une dame, Sammy. Sammy, je crois qu'elle vit dans la grande phare. Les marées ont commencé à monter et le contre-courant était terrible. La fille ne pouvait pas sortir de l'eau. Et elle a remarqué que quelqu'un ose lui tirer la jambe.
Ouais, c'est la dame du phare. Elle a réussi enfin à rejoindre le côté. La côte, sans tant de justesse, les jambes couvertes de traces de tentacules. La mer retrouva son calme. Alors si tu es né sur Benquido, même si tu n'en as pas l'apparence, je dois en savoir. Merci. Je vais aller me renseigner au phare. Bonjour, bonjour. Est-ce que Samy est là? Qui es-tu? J'aimerais parler à Samy. Quelles sont ses manières? Ne me dérange pas si ce n'est pas important. Vous savez bien que ça ne va pas marcher. Et si je l'interrogeais, les Quido qui sont en port? Ils m'ont dit, Stéphane. Bonjour, c'est Elliot. Alors, la dame ne veut pas me parler. Parce que tu manques d'éducation. Ça ne se fait pas d'abord les gens. Ça ne se fait pas d'aborder les gens comme ça. Autrefois, j'ai rencontré un margeur d'homme. Il vivait dans une maison immense. Il s'occupait extrêmement bien de son maître. Non pas que j'approuve ce genre de choses. Un jour, il a trouvé un yum-yum dans la salle à manger de la maison. Il n'a pas crié, il n'a pas paniqué une seule seconde. Il se gérait quand... gérer la situation. Dis-tu comment? Non, moi non plus. C'est son secret. Il n'a pas voulu me le dire. Alors, qu'est-ce que je fais? Va te renseigner, petite. D'accord. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de la dame du nom de Samy? Désolé, nous sommes des marchands. Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien contre cette information. Nos lèvres restent scellées. Enfin, pas complètement. C'est vrai.
Parce qu'un jour, j'ai rencontré un couple sur le côté de Restea. Et c'est bon, j'ai compris. Écoute, il me faut du fil. Prends des graines de coton, je t'expliquerai comment faire après ta récolte. Apporte-moi un fil et on pourra te donner d'autres informations. Les services de crabes postaux est défectueux. Je ne sais pas si les services de crabes postaux. Les crabes postaux, ils transportent des lettres d'un endroit à l'autre. Tu as dû en envoyer quelques-unes. Ils ont toujours été très efficaces, jusqu'à leur dernière tournée. Les plus jeunes se perdent en permanence. Si tu vois certaines de ces lettres, tu veux bien les lire pour vérifier si elles sont importantes ou non. Mais c'est privé, non? Ne t'en fais pas, les gens d'ici se moquent bien quand on les a courir. Et puis s'il n'y a que toi qui les lis, ce n'est pas le problème. Tant que Edegan, le banquier, ne se découvre pas. Pourquoi Edegan en particulier? Il est très curieux. Il y en a encore quelques années, c'était un gamin adorable, mais plus maintenant. Il est parti étudier sur le continent, une université réputée, paraît-il, l'université d'économie de Conte. Après ça, son père a ouvert la banque sur l'île pour lui. Et voilà, depuis, il tire profit de ses terres. Mais je ne t'ai rien dit de tout ça, Edegan est une vraie commère. D'accord, je vérifierai les lettres des crabes postaux que je trouverai. Parfait. Pour le moment, il ne devrait y en avoir que 5, puis nous verrons. Attends, encore tu me fais perdre du temps et de l'argent. Ok, là, il écrit en anglais. Parfois, ça arrive qu'il y a des langages qu'on comprend pas.
Je suis chez mes parents, je reviens bientôt, pardon pour le dérangement. Oh, elle n'est pas là. C'est qui? Attends, tu me fais perdre mon argent et mon temps. Des graines de coton. Hein. Achètes-tu quelque chose ou va-t'en? Merci petite, je suis pas une petite. Je vois. Tu es une aventurière tout comme moi. Ah, vraiment? Évidemment, tous les aventuriers sont pieds nus parce que rien ne peut nous arrêter. Je m'appelle Koa, l'aventurière. Moi, c'est Onzo, l'aventurier char... Le chaman? C'est quoi un chat? Eh bien, quelque chose comme moi. Mais en plus petit. Alors, qu'est-ce que tu fais ici?
Je parcours le monde pour rassembler un maximum d'informations. J'ai un journal créé par mes ancêtres et je consulte pour voir si les choses ont changé ou pas. C'est impressionnant. Est-ce qu'ils parlent de moi? Il n'y a rien au sujet d'une aventurière humaine. C'est quoi un humain? C'est vraiment rien, pas vrai? Je vais t'apprendre tout ce dont tu as besoin. Vas-y, pose-moi n'importe quelle question. Je suis sûr d'en trouver la réponse dans mon journal. D'accord. Voyons, j'ai besoin de parler à la dame du phare. Regardant la dame. Ah, c'est une dame solitaire qui vit au phare. Il écrit qu'il est très difficile de lui parler. Elle est très polie, elle n'aime pas vraiment la compagnie des autres et adore les cartes. Eh bien, je dois lui parler. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Si elle aime lire, je suis sûr qu'elle aime les romans. Personne ne peut dire non à un roman aventurier. Alors, je vais te donner ce livre, lui apporter, comme ça tu arriveras peut-être à la convaincre. Vraiment? Merci beaucoup. De rien. Et présent, je serai ton mentor en matière d'aventure. Je te ferai savoir ce dont j'ai besoin. Ben, merci. Quand tu toi bien avec tous les gens de l'île, sinon. Je me repose où? Ah, ici. Oh, j'ai pas d'argent. Dis-toi bien à tous les gens de l'île. C'est tout pour le jeu Summer in Mara Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!